À première vue, on est placé dans les souliers du PDG et fondateur d'une société véhicule d'un hypercapitalisme expansionniste à tout crin, dont l'objectif est de revaloriser une métropole crasseuse jonchée de gratte-ciel abandonnés. On comprend, à mesure que l'on construit par-dessus la mémoire de la civilisation condamnée qui nous a précédés, qu'ici l'histoire se répète sans que personne n'ait tiré de leçon, abattre ces ruines procure les ressources de base pour ériger, dans une esthétique glauque fort réussie, notre propre paysage urbain chargé de néons rappelant un classique comme est notre ville nécessite de l'énergie, qui doit être distribuée autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des édifices. On la génère par la combustion de carburant synthétisé à même l'atmosphère riche en méthane de titane. Toute une infrastructure dont le développement est aussi complexe que satisfaisant. Les tâches sont exécutées par des employés, sorte d'hybrides mi-hommes mi-machines infatigables, à distinguer des citoyens, ces colons cloîtrés dans de minuscules cubicules et forcés de regarder en boucle des publicités qui rapportent des crédits. On peut convertir des citoyens en employés en les vidant de leurs organes pour les remplacer par des parties bioniques. Charmant. Il s'agit de trouver un juste équilibre entre employés industrieux et consommateurs hébétés. Ça donne le goût de s'y installer, non, là où la plupart des jeux de gestion de ville se contentent de représenter notre stock de ressources par des chiffres qui montent ou descendent, précisons quand même que,